Salut tout le monde. Bon, on est reparti. Malheureusement, j'étais respawn ailleurs. Là, je suis venu jusqu'ici. Et on va retourner vers là-bas. C'est-à-dire que la route. Pas de dynamite, donc on a pas de dynamite. On a une pioche. L'escalier. Voilà. Il fait sombre. Une petite un peu de truc secret, ok. Oh, ça s'allume. Sera. Il y a rien là-dedans. Non, c'est juste de la bouse. Ok.
peux la tirer. Le trésor. Ouais. Là-haut. Quel trésor. Bon ben, je vais dire on a fait le tour, mais bon, ça se voit qu'il y a un peu. Oh. Ok. Allez, l'air du jour. J'aurais même demandé hein. Est-ce que je suis occupé là? Il me poussait dans le vide. Faut du cochon là.
popo. Là-bas, il y a de la pelouse. Je vais y crever. Je vais y crever comme une merde. Oh, j'ai vu une flèche passer là. On recommence. Le pic. Ah ouais, d'accord, c'est même pas le repic mid. Ok. C'est pas le moment de tomber, hein. Je le sens pas. Je le sens pas. J'ai fait tout ce chemin. Ça serait con de crever là. Il est où l'entrée du château déjà? C'est ici. Et jardin impérial. Hop.
aller se vider. Ok. C'est pas Pikmid. Aurait maintenant bien interagi. Ça, c'est un Pikmid. Ça, c'est pas Pikmid. Ça, c'est ma base. Et ça, c'est au pic. Bah, c'est où on est, le château. Pour évoluer la base, l'emplacement du mine de fer dans la brume, l'endroit est indiqué sur la carte. Mais vers où ça se trouve? Ouais, non, mais t'es sérieux? J'ai déjà pas accès ici, l'autre il veut m'envoyer là-bas. Là. Ok. On a un. Deux. Deux quêtes ici.
C'est parti. Ça va être long. Niveau 1. Ah ouais. Le mec s'est perdu avec son arme. De casser les trucs là. Bon, ça va être une zone fructueuse. Je vois quoi. Placement propre. Il y a de la flèche. Une flèche en cuivre. Une lumière rouge, un courrier. Baguette magique, ouais, youpi. Pas un lit là. Je passe la nuit. Il y a bien un lit dans cette baraque. Même pas. Ah ouais, mais non, de toute façon, ça sert à rien que je construise un lit. Je peux pas. Ok. Devinez. Au-delà, nous nous élevons, une lumière solennelle brille sur votre visage devant la lumière des bougies. Derrière les craquements et les fissures d'une chaîne. Il se cache un secret gardé par des eaux fragiles. Un lit en bas, il va pas y en avoir en bas. Ah.
juste un lit. Il y a beaucoup de lecture, hein. Bon, on va commencer. Bon, ça. Des trucs intéressants. Rien. C'est vrai que mon petit a cassé tout. Ça, ça donne quoi ça? Rien du tout. Il n'y a pas d'ennemis. Ok. Ça donne rien. Voilà, trop de trucs. Là, il y a le boss. On va le faire en coop. Là, on va tenter, on va le faire en solo.
Merde. Ok. Là, c'est bouché. Ok. Bah easy hein, tout seul solo. Clé et va donner autre chose là, ce que j'en ai fou, t'as du mana, moi je vais concret, bordel. Maintenant, on s'en fout. Toute la vie qu'il y a là. On va pas cracher sur toutes ses ressources. Thank you.
voit, il voit. C'est pas une porte secrète ça? C'est une porte secrète. C'est une chambre secrète. Ça aussi, poubelle. Tranquille. Ok. Non.
Yes. Ok, ça mène ici. Ok. Pouah, il m'a fait peur. Stop. Fatigant. Tant des fois ça te fait découvrir des trucs, tu passes, t'as pas fait gaffe, t'appuies sur le pour ramasser un truc, ça te fait découvrir un lapin, bah autant que ça peut être vraiment d'un chien. Ok.
qui donne sur la grande salle. Ok. On a même pas commencé les maisons dans la ville, on est encore dans le château. Pas de bombe? Ouais, j'ai pas de bombe. Était au bon moment. Bah. Casque de la garde du Nord. Et on va le garder. On lève l'ancre. Où qu'il ait fui, si tant est qu'il ait fui, Gormander est seul. Ou avec une autre courtisane. La ville est émergée. Ils ont écrasé notre mur ce matin tôt. Et recouvrant désormais notre ville d'une épaisse nébuleuse suffocante. Coloré comme les plumes d'une autruche. Je tremble ici, seul, pour la première fois depuis des années, comme une petite fille. Mon cœur palpite comme un canari en cage. J'aurais dû m'enfuir et affréter un bateau, m'en emparer. Après tout, je suis doué en escrime et je sais lire une carte. Il n'est peut-être pas trop tard. Je pourrais encore me réveiller avec le bleu de l'océan et sentir le sel sur ma peau, voir des sirènes et chanter sur les quais. Brillamment, enfin. Je veux mourir dans une tempête, dans un brasier, mais pas dans une petite tour isolée. Ne vous inquiétez pas de moi, je me sens si petite. Ouais, du coup, elle est morte toute seule, isolée. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas d'autres trucs à péter, parce que j'ai plus de pioche. Ah.
Ah. Il y avait un passage par là. Ah, rien. Il y avait un passage juste au-dessus de ma tête. Moi, je l'avais même pas vu. Pourquoi cette porte est fermée là? On n'y a pas été encore? Ah non, on n'y a pas été. Ouh, on n'y a pas été. C'est pour faire le saut de l'ange. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Je suis bloqué. Mais hey.
Non, là, elle est fermée cette porte. Oh, mais une baguette encore. Un truc de magicien là. Il doit y avoir le reste de l'armure. Il va falloir fouiller toute la ville. L'éclairage est bizarre ici, là. Ok. On a fait le tour, hein.
voit que dalle. On voit que dalle. Ouf. Son esprit tordu cache un secret. Je sens l'odeur de la décomposition à l'intérieur du manoir. Les murs, le corps, pourriture et ruine, un cercle purulent. Quelque part, je le sens. Ses os. C'est à l'intérieur de ses os, à l'intérieur des murs, une énigme, un labyrinthe enfermé derrière ses yeux fatigués. Je creuserai sans relâche. Je sais qu'il est là, quelque part. Voilà, ça semble très or. Bon, ça va. On va aller se vider. Parce qu'on a ramené beaucoup de merde. On va aller déposer tout ça. Faire une petite répare. Ah, il veut parler lui. Speak up. Une lettre étrange. Sang de flamme, il y a quelque temps, une chose bizarre est arrivée. J'ai reçu un mot, regardez. À Reagan, courtoisie des Conway. Je n'ai jamais rencontré de Reagan. Mais je connais les Conway, des coursiers de l'Est. Ils ont dû passer par un avant-poste commercial, Rocher Brûlant, pour livrer le message. Pouvez-vous enquêter? Si je te dis non. Oh. Ah, le cuir. J'ai un cuir. Now get out. On va faire. Ah mais non, on peut pas. Ah bah ouais, il faut l'outil de la forge. Tant pis. Si seulement. Pas évoluer là. Ah, oh si. Indigo, j'ai fait pousser l'indigo, je crois. Stay safe, friend. Ouais, je crois que j'ai tout mis. Indigo, c'est combien qu'il en faut de l'indigo? Il y a tous les cubes en manque. Ouais, il en manque. Il n'a pas mis à pousser. Vas-y, j'en ai mis à pousser. Ah, bah ça, comment j'ai bien fait. Ah merde!
Vas-y, ça a poussé. Du blé, ça dégage. Allez, on va commencer, on va mettre du vrac là. Coller tout en vrac. Ça, les étincelles 10. Pas de visqueuse, 15. Tant de la brume. Tête de monstruosité déchue au bio, minerai d'étain, glande d'ammoniaque. Ça va être du désert, ça. Ça va sembler désert. Capacité d'activation de l'hôtel 8. Non, 7. Je peux en faire 7. Niveau traversé de la brume. Niveau 4. Temps dans la brume 8. Bonus attributs de personnage 3. Vous avez amélioré l'hôtel? Ça va quoi ça? Ah! Ah! C'est l'étendue. Attends, ça veut dire que là maintenant j'ai genre un terrain de foot. Waouh, putain la vache. Ah ouais. Ah ouais, ça s'est étendu jusque là-bas, la vache. Ah ouf. Ah ouais, tu peux faire putain de zone. Sentir le farm en perspective pour faire de la construction là. Pouf, tac.
C'est que pour le château ou c'est pas que pour le château? On peut avoir un descriptif plus détaillé là. Ouvre toutes les portes du Le Pic, le château de Saint au sein de Auray Pikmin. Ah, c'est vraiment mon château donc l'intérêt de la monnaie en fait. C'est qui fait les trophées, histoire? Ah, faut le refaire une deuxième fois. Ah ouais, tu peux les faire. Ah, c'est à ça que ça sert de garder les trucs, c'est pour en faire des têtes. Et ça rend quoi? Du bronze? Ouais, de la merde, hein. Ouais. T'as envie de créer une ambiance dégueulasse chez toi. Oh la vache! Il est énorme lui! Ah, elle, ouais, c'est pas trop gros. Bon, encore celui-là, ça va. Ouais. Mais alors, ça. Les têtes d'animaux chez toi, là, et des trucs chelous, là. Dégueulasse. Du coup, ouais, du coup, il n'y a pas le choix, faut les garder. Vas-y, je vais faire une petite boîte de merde. Storage, hop. Ça coûte rien. Et ça sera la boîte à merde. Est-ce que je vais pouvoir coller la boîte à merde? Enfin, je vais la mettre, si je la mets là. L'accès à l'établi. Parfait. Ça reste là. Récupère ça. Et on met dans la boîte à merde. Perfecto. Ouais, j'ai enlevé l'escalier. Ça va gagner un peu plus d'espace, on a moins l'impression d'être costaud et comme ça. Je mets avec le grappin. Ah bah, ouais, d'accord. Bon, le grappin. Hop là! Stylé d'aller au lit avec un grappin. Un peu le bordel, hein. Mais là, vu la superficie. Donc ça, la base, là, c'est le centre. Tandis que je l'ai posé là et le carré grandit autour. Donc faut pas que je bouge. Et que si je construis. Ouais, je trouve une autre zone. Bon, on verra ça la prochaine fois en se baladant. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.